On dit que la femme est un être diabolique. Et moi, je dis, je suis l'être pathétique, l'être angélique, la merveille de l'univers, celle qui mène la réalité sur les rêves les plus sombres, celle qui pose la croix sur le passé. Je suis sûre d'avoir trouvé la diction nécessaire pour faire part de ma désapprobation. Battement de son cœur, cadence, rythmée de son intelligence, pas à pas, elle avance. D'ailleurs, par sa ruse, elle agit à son aise. Annoncez-leur, ceux-là qui contestent la valeur de ses actes. Annoncez-leur qu'elle dénonce l'injustice commise envers le sexe féminin et refuse de croire dans ce cas à un quelconque destin. Annoncez-leur sa grandeur. Annoncez-leur un cœur. Enfin, parlons d'elle. Elle, c'est Océane, une muse inspiratrice. Par sa grâce, sa sainte présence, sa beauté sensible au monde des faits, inspire poète, artiste. Peintre, peut-être femme masculine, c'était la femme androgyne. Océane est instructrice, destructrice, aussi active et sportive, c'est une femme d'âme, une femme amie, une femme mère, une femme vestale. Décidément, une femme intellectuelle, très affable, mais rigoureuse, elle ose. Océane a du nerf animé d'une volonté de faire. Elle analyse, organise, propose, donc impose ses idées. Elle aime partager, réfléchir, transmettre, donc donne ses opinions sur la politique. Sévit quand il y a de la polémique, conscient de son rôle, de sa place. Étant la pluie et le beau temps, source de vie et de bonheur. Elle se proclame, s'acclame. Je suis la femme, une dame, je suis la mère. Une sœur, tu dis, pense et réitère que je suis faible. Sache que mes principes, ma valeur, ma grandeur, ma dignité, ma bonté constituent mes forces. Je suis celle qui redonne après conception, celle qui façonne après réception. Je suis blanche, une colombe, la raison de l'unisson. J'ai été, j'étais, je suis, resterai la mère de l'humanité. Vois-tu? J'ai le sens de l'équité, l'obéissance. Mais j'étais surprise quand même.